Le paysage artistique, au moment où je suis arrivée, fin 2008, c'était un paysage que je redécouvrais, puisque j'étais quand même partie 20 ans à l'extérieur, donc 15 ans en Angleterre, c'est énorme. On part grosso modo, hein, pour faire vite, j'ai quitté Bainbridge, je n'avais même pas 18 ans, puisque j'ai fêté mes 18 ans en France, et donc on est gamin, et on revient, ben, on est déjà adulte, on a déjà quelques années d'expérience dans le domaine professionnel, et j'avais du coup tout à apprendre, parce que ce n'est pas mes retours en vacances pour voir les parents, la famille, et autres qui me permettaient de bien connaître la Guadeloupe. Preuve en est, c'est qu'il a vraiment fallu que je fasse le tour des institutions, me présenter, me représenter. J'avais déjà fait quelques années auparavant, puisque j'avais quand même des velléités d'exposer en Guadeloupe, puisque je commençais déjà à exposer sur l'international, notamment au Canada, où j'ai fait plusieurs expositions à l'époque.